Salut Paul. Salut Romain. Nickel. On t'a réservé un petit cadeau avec Basile. Oh, c'est mignon. C'est voilà, beau, ça. Une petite couronne de fleurs pour rappeler le festival auquel on a assisté. Donc la Magnifique Society qui se situe au parc de Champagne à Reims du 19 au 21 mai 2017. Donc tu verras, c'était un très grand parc. Du coup, on s'est débrouillé avec Basile qui m'a rejoint là-bas pour se ça départager. Pas facile à couvrir du coup. Du tout. Du coup, lui, il s'est occupé du Tokyo Space ODD. Ok, on regarde ça. On regarde ça. Donc salut Romain, moi aussi je suis à la Magnifique Society comme Paul, mais je vais pas vraiment m'occuper des gros concerts etc, mais je vais plus m'occuper du Tokyo Space que vous voyez derrière moi. Donc c'est un univers un peu spécial avec des bornes d'arcade et un peu sur l'univers japonais, on peut même y acheter de la nourriture japonaise. Tu verras, c'est sympa, puis il y a des gens assez drôles. Partie des organisateurs de cet espace, le Tokyo Space. Ouais, c'est ça. On a du coup là deux structures qui sont Play Again sur tout ce qui est robot japonais, méga et arcade légende. Et du coup, on a travaillé sur l'espace conjointement avec Fred. Du coup, ouais, ça plaît parce que c'est ça revient à la mode déjà, forcément. Donc on a beaucoup de gens qui viennent redécouvrir, qui viennent rejouer à des consoles qu'ils ont eues avant, redécouvrir les installations de bandes d'arcade. Nous c'est pareil, on le voit avec les consoles, les robots qu'on a mis en exposition, les gens ils sont subjugués par le truc. Même le maire qui est passé ce matin a tilté devant les armoires de collection et a dit qu'il avait eu un Goldorak, comme quoi on ne change pas. Et là juste derrière nous on a une borne Tetris par exemple, c'est une borne, il y en a 3 en France, 5 en Europe en fait, et c'est un collectionneur privé qui nous l'a loué pour l'occasion, c'est une borne qui est juste introuvable par exemple. Qu'est-ce que vous faites dans ce stand ? En fait, on adore le Japon toutes les deux, donc on était là pour voir. Et puis, il y a plein de trucs trop bien, des jeux, de la nourriture, de la musique aussi, que ça va commencer plus tard, mais il y aura des concerts. Et c'est vraiment cool parce qu'il y a plein de trucs sympas, quoi. C'est quoi ton jeu d'arcade préféré qui est ici ? Pac-Man. Pac-Man ? C'est quoi ton meilleur score ? Oula ! Je sais plus. Franchement, je sais pas. C'est pas ? Non. Bon, c'est pas grave. Et sinon, je savais pas que Snapchat, ils faisaient les filtres en vrai maintenant. C'est génial, franchement, en plus on les a fait nous-mêmes, c'est extraordinaire. Salut les gars. Salut. Pourquoi vous êtes venus au Tokyo Space là aujourd'hui ? Bah, je trouve que c'est bien d'avoir des espaces arcade gratuits maintenant. Ouais, vous êtes des gratteurs un peu du coup. Bah, il faut. Il n'y a plus rien de gratuit, donc faut profiter dès qu'il y a quelque chose de gratuit. Faut bien profiter. Hein. Et du coup, là, c'est quoi la borne ou le jeu que vous aimez le plus ici ? Je sais pas. Mario, c'était pas mal, Mario ? Ouais, c'est pas mal, Mario. Mario, le basique, quoi. Ouais, c'est bien. C'est qui le meilleur entre vous deux, là, du coup ? C'est moi. J'ai gagné. Ouais, toute la cour, j'étais premier, après, il m'a dépassé. Non, mais t'as perdu, ouais, c'est tout. Je voulais vous lancer un petit défi pour finir. Est-ce que vous pourriez danser ou chanter ? C'est le mieux. Ouais, chanter. Attends, donc, waouh, c'est quoi ça ? C'est l'opening de Tokyo Ghoul, un animé, pardon. Oshiete osono shikumi wo boku no naki ni dare ga iru no. Donc on s'est bien marré, c'était assez sympa. Et je vous dis à la prochaine. Salut. Merci Paul. Mais de rien, merci surtout à Basile pour celle-là. Merci à Basile.